J'espère qu'à mon CIA, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour une fois de plus de toi et ton partenaire. Ce tirage aujourd'hui est pour des personnes qui sont en couple, qui vivent déjà soit sur le même toit avec leur partenaire ou alors ils ont déjà une vie de couple établie, même si chacun vit chez soi. Donc, nous allons voir ici comment vous voyez votre partenaire, comment votre partenaire vous voit. Et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ensemble votre relation ou établir la communication. Vous voyez, c'est possible, il y a une possibilité. Vous savez mieux que moi que peut-être avec ce partenaire, votre partenaire, vous avez du mal à communiquer ou tout simplement ça bloque à un niveau de votre relation. Bon, nous allons regarder tout ça. Bien, vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la plume, la feuille et le cœur. D'accord, bon. Pour certains, ça chauffe dans votre couple. Hein. Mauvaise communication, tension, complications à gérer les états d'âme de l'autre personne, incompréhension. Injures aussi, beaucoup de colère et surtout d'inaction. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi cette magnifique plume. Bien. Celle-ci, on va recouvrir tout à l'heure, mais on va la lire comme ça. Pour voir. On va la rouvrir tout de suite d'ailleurs. Mettre là. Ensuite, on va retourner. Bien, en ce qui concerne vous qui avez choisi le groupe numéro 1, la plume, en ce qui concerne ici pour toi et ton partenaire, ou ce que tu es en train de vivre aujourd'hui avec ton partenaire, comment vous voyez votre partenaire, et si vous voyez votre partenaire comme quelqu'un qui est en train de réveiller les blessures du passé, qui est en train de vous faire mal, qui est en train de vous ignorer, ou qui est en train de faire tout pour que vous vous sentez complètement... pour vous rabaisser ou pour que vous vous sentiez minable. Aujourd'hui, comment vous voyez vraiment cette personne? C'est comme quelqu'un qui vous apporte que du malheur, qui vous apporte que des grosses blessures ou qui réveille même des blessures du passé. Parce qu'avec lui, vous-même, vous dites, il n'y a aucune évolution possible parce que vous le voyez comme quelqu'un de... face à vous, vis-à-vis de vous, quelqu'un de sec, quelqu'un qui n'a aucune une compassion à votre égard ou quelqu'un qui ne vous soutient pas, qui n'est pas présent, mais au contraire, rejette toujours les fautes sur vous. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui est toujours en train de pointer un doigt accusateur. Au fait, c'est comme ça que vous le voyez, hein? Comme quelqu'un qui est toujours en train de vous accuser, c'est de ta faute si, c'est de ta faute si ça, tu aurais peut-être dû faire ça. Dans la petite moindre occasion qui se présente, et c'est justement pour vous faire comprendre que vous ne valez rien ou tout simplement que vous avez, que tout ce qui arrive c'est de votre faute. Un peu comme quelqu'un qui n'assume pas ses bêtises, il est toujours en train de remettre ça sur le dos de l'autre personne. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous et ça peut être votre partenaire, mais ici dans ce tirage, c'est la façon dont vous voyez votre partenaire comme quelqu'un de sec, quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'a plus aucune émotion pour vous ou quelqu'un qui ne vous montre plus qu'il a des sentiments pour vous. Une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a plus, vous avez l'impression de ne plus le connaître du tout, qu'il y a la distance qui s'est créée entre vous comme une sorte de fossé. Et comment votre partenaire, lui, vous voit? Votre partenaire, lui, vous voit comme quelqu'un qui cache les choses, vous voyez? Il vous voit comme quelqu'un qui en sait plus ou qui connaît des choses et qui ne veut pas partager. Ou quelqu'un qui a... vous voyez? Il vous voit vraiment comme quelqu'un de mystérieux. Parce que le mot...
La lune, c'est quelque chose de mystérieux. C'est des choses que l'on ne voit pas et que l'on aimerait tellement percer. Donc, du coup, lui, il vous voit comme ça, comme cette femme avec la torche, là, vêtue comme une... Bon, pas vêtue comme une sorcière, c'est une sorcière, puisque c'est le tarot des sorcières, et qui détient beaucoup de clés et qui a un certain savoir et qui fait comme si elle ne connaît rien, comme si elle ne voit rien, mais pourtant, elle a toutes les réponses et toutes les connaissances en elle. Donc, il vous voit vraiment comme quelqu'un de mystérieux. À la limite, même, il vous voit comme une sorcière, votre partenaire. C'est une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui vous ont déjà traité de sorcière, comme dans le sens propre, comme figuré pour lui. Vous êtes une sorcière, vous cachez des choses, sorcière des bonnes et la mauvaise sorcière. Parce qu'il y a la bonne sorcière qui fait des décorsions, qui décrasse les énergies stagnantes, qui aident des personnes à guérir. Et il y a la méchante sorcière dont on a toujours pensé que c'était comme ça. Les sorciers étaient représentés comme ça par des cloques partout sur le visage et qui ne faisaient que de mal avec des grosses casseroles à bouillie, des trucs maléfiques. Vous voyez un peu cette image qu'on a toujours voulu faire croire aux gens que la sorcière, ce n'était que ça. Non, on a quelqu'un qui vous voit vraiment comme ça dans les deux sens. Donc, pour cette personne, vous représentez un côté mystérieux, un côté mystique, quelque chose d'insaisissable qu'il a du mal. Il a un peu du mal à savoir à qui il a affaire et aussi même peut-être à savoir qui vous êtes exactement. Et aussi, il peut aussi vous voir comme quelqu'un de changeant. Il a un peu peut-être aussi son comportement aussi le calque peut-être d'après votre façon de réagir. Peut-être un coup vous êtes joyeux, un coup vous êtes triste, un coup vous êtes douce et puis un coup vous êtes agressive. Donc une possibilité ici qu'on ait affaire aussi à quelqu'un comme ça que vous-même. Et pour vous, c'est la personne aussi, pour vous, dans votre façon de voir, vous vous dites je m'adapte à sa réaction, à sa façon de faire, il m'agresse, je l'agresse ou alors... Il ne me calcule pas, je l'agresse pour peut-être attirer son attention. Mais lui aussi, de son point de vue, il se dit, s'il se comporte comme ça, c'est justement pour répondre à votre façon d'être. Vous voyez, il y en a deux personnes ici qui sont complètement paumées, qui sont complètement perdues, qui ont un peu du mal à savoir. Peut-être tout ce qui vous manque ici, c'est juste de parler, de savoir, de demander à l'autre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que vous deux ici, vous jouez à un jeu... Vous êtes perdu dans votre jeu, dans le jeu de rôle que vous jouez tous les deux parce que l'un s'adapte à l'autre mais dans le mauvais sens. Tu vois, par exemple, l'autre qui crie, tu cries, je t'ignore, ou tu cries, je crie plus fort, vous voyez, ou alors tu m'ignores, je te provoque, mais dans le mauvais sens. C'est un peu comme ça, l'autre partenaire, il vous voit et vous faites, c'est comme ça, vous faites les choses tous les deux. On a vraiment comme ça, c'est comme ça que vous faites des choses. Et comment vous voyez votre relation ici, vous qui êtes la consultante ou le consultant. Aujourd'hui, votre relation, la chance, elle est inversée. Hein? Ce qui veut dire beaucoup de choses. Votre relation aujourd'hui, c'est une relation de poisse. Vous avez l'impression que c'est aujourd'hui, c'est une relation qui vous emprisonne, qui vous empêche de vivre la vie que vous avez envie de faire. Il y a une possibilité ici que vous vous dites, il y a tellement de belles choses à l'extérieur et je ne peux même pas les saisir. Il y a tellement de belles choses. Si je n'étais pas dans cette relation, j'aurais peut-être une vie de rêve. Quand je pense que j'ai laissé, la belle Jenny ou le beau Martin pour être dans cette relation, vous voyez, on a des personnes ici qui se disent ça. Ce qui semblait être un coup de bol pour moi, ce qui semblait être une rencontre de ma vie se transforme en cauchemar. Donc, on a des personnes aujourd'hui que la chance, quelque chose qui était positif, qui semblait être la réussite, est devenu le contraire, dans la négativité. Vous voyez, c'était des possibilités, c'était des ouvertures. Vous aviez vu des ouvertures, des possibilités aussi. Peut-être quelqu'un, un bonheur, parce qu'avec la chance, un bonheur. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'au fait que c'est le malheur que vous avez attiré à vous. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans quelque chose comment je vais dire ça? Vraiment, vous le ressentez comme la poisse, comme une relation poisseuse, comme une relation qui ne vous apporte que du désarroi, du déshonneur, une relation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Même si au départ, vous avez pensé que cette relation était faite d'amour, de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, pour vous, votre point de vue, et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Vous voyez ça vraiment comme ça, comme la misère, la plus grosse échec de votre vie. Vous voyez, comme si vous avez voulu jouer, vous avez tout perdu en chemin, vous avez tout raté. On peut avoir affaire à des lions aussi. Et au passage aussi, peut-être vous avez perdu aussi une certaine
un peu l'estime de vous aussi. On peut aussi avoir affaire à des cancers, on peut avoir affaire à des béliers également. Et ici, comment votre partenaire voit votre relation? Ici, on a affaire à quelqu'un qui est encore dans l'amour, dans l'union. Même si vous avez du mal à le croire, lui, il a encore, contrairement à vous qui pensez que c'est la poisse, c'est fini, c'est mort, lui, il a encore espoir que les choses pourront s'arranger. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances. Lui, il est encore quelquefois peut-être dans la séduction. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui de temps en temps vient vers vous. Vous voyez? Ou ça peut être vous. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Vous mettez ça vraiment dans la personne en question à qui ça concerne. Donc, on a ici affaire à votre partenaire que quelquefois vient vers vous. Vous voyez, quelquefois, peut-être le fait de façon maladroite, peut-être on ne fait pas avec de la tendresse qu'il faudra, ou alors c'est sa façon de vouloir vous séduire ou de vous faire comprendre que vous êtes belle ou beau. C'est maladroit, c'est un peu bancal. Et peut-être aussi pour certaines personnes, il y a une possibilité que vous qui avez choisi la plume, avec votre partenaire, il n'y a plus du tout d'attirance. Parce que soit il y a eu beaucoup de blessures, cette personne vous a beaucoup blessé, de telle façon que même maintenant, même si vous vivez dans le même lieu de vie, sous un même toit, ou si vous restez, vous êtes en couple, mais chacun chez soi, c'est comme si aujourd'hui vous tolérez juste, il n'y a plus vraiment cet amour-là. Parce que pour vous, vous avez envie de donner une chance, mais en même temps, vous vous dites à quoi bon? Parce qu'on voit ici, vous, avec votre relation, vous avez, pour vous, c'est mort, quoi. Pour vous, c'est vraiment le néant. Pour vous, vous avez, c'est un gros échec, quelque chose que vous n'avez pas réussi. Peut-être vous restez justement dans cette relation pour ne pas perdre un certain confort de vie ou matériellement parlant. Ou tout simplement, vous avez espoir que les choses pourront s'arranger, ou alors vous attendez une autre occasion ou une occasion, une belle... Vous ne dites pas des choses. Soit ici, vous êtes en train, parce qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un de mystérieux, parce que vous gardez certaines choses pour vous et que vous êtes en train de mettre en place une certaine action ou une stratégie pour pouvoir partir, vous voyez. Mais pour le moment, vous êtes encore là parce que vous n'avez pas encore trouvé le moyen ou l'occasion de partir ou d'avoir ce que vous avez voulu, ce que vous voulez avoir. Donc, vous êtes ici en mode vraiment stratégie. Je regarde, j'observe, je mets les pions par-ci, par-là. Je m'adapte à la situation, mais en même temps, je garde un certain instinct animal de je trouve la faille, je m'introduis et je pars parce que j'ai des rêves ici et une vie à préserver ou mon imagination. Je sais que il y a une intuition qui te dit peut-être ici, il y a une occasion qui va se présenter pour que tu pars, ou alors tu attends quelqu'un ou tu attends un signe. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Mais contrairement à toi, ton partenaire, lui ici, il a envie de... Il fait de temps en temps des efforts, même comme je dis, ça peut être de façon maladroite. Mais toi, c'est nada. Toi, c'est déjà non. Je sais pourquoi je suis là. Tu ne me touches plus. Je ne te touche plus. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment ça. Hein? Et pour d'autres personnes, ça peut justement être juste pour voiler la face, qu'ils se laissent encore faire ou se laisser toucher. Mais c'est plus vraiment... Il n'y a plus vraiment ce ressenti. Il n'y a vraiment plus cet amour-là. Soit vous le faites pour préserver un certain semblant ou ne pas éveiller des soupçons, ou alors parce que vous n'avez pas le choix. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça ici. Mais votre partenaire, contrairement à vous, je le redis, je me répète, je sais, mais encore l'espoir que les choses pourront s'arranger, à l'espoir de pouvoir retrouver ou veut vous reséduire. Mais je sens ici quelqu'un qui a envie de vous reséduire, mais le fait de façon maladroite. Et même ça, vous êtes complètement insensible à ce que cette personne a envie de faire, parce que même si elle a envie de regagner votre confiance, même si elle a envie de vous attirer à nouveau, et même si elle vous fait croire, ou si elle-même fait des efforts pour se mettre sous son 31, pour sembler beau, sexy ou belle, ou je sais pas, ou alors essayer de vous faire leurrer un mariage si vous n'étiez pas marié, ou si vous parler d'une union, d'un mariage, hein. Il y a une possibilité ici qu'on ait des faits à des gens que vous avez tellement entendu ça longtemps qu'aujourd'hui ça ne vous dit plus absolument rien, vous n'avez rien à faire de ce qu'il dit. Vous voyez? Donc ici on a affaire à des personnes comme ça. Soit ici c'est quelqu'un qui reste encore dévoué à votre relation, à votre liaison, à cette union-là ou à ce mariage-là, et qui ne veut pas d'échec. Mais pour lui c'est vraiment ça, parce qu'il se dit, c'est pas maintenant qu'il va falloir laisser l'échec entrer dans la relation. Mais on voit bien ici,
On voit ici, là, avec la fin de votre jeu, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire pour améliorer ensemble, la communication soit établie. On voit avec l'agneau qui est inversé, on voit ici que pour toi, soit pour vous deux, il n'y a plus de réconciliation possible. On a des personnes qui ont juste envie de se désolidariser de cette personne ou tout simplement de mettre fin à cette union parce qu'ils ne sont plus à leur place. Donc même ce qu'il faut faire pour améliorer ensemble la communication, pour établir quelque chose, on a l'un des deux, soit c'est vous qui vous dites... Non, ça n'a plus rien à faire ici, ça n'a plus lieu d'être, je ne suis plus dans cette optique de m'engager avec toi, je ne veux plus vivre quoi que ce soit avec toi, c'est fini et puis c'est bon. Chacun refait sa vie et chacun met en place ce qu'il est ou ce qu'il a voulu faire. Parce qu'on voit bien, l'anneau elle est inversée, donc ça veut dire qu'il y en a des personnes qui ne veulent plus de ce couple, qui ne veulent plus de ce mariage-là. En tout cas, surtout pour l'un des partenaires, parce que l'autre personne est prête à faire des efforts. C'est surtout vous, mais comme je dis, les énergies sont interchangeables. Je vais retourner cette carte. Vous voyez, il y a beaucoup trop de... Ça fait longtemps que ça dure et ce n'est pas quelque chose de bon. Parce qu'on voit bien, la route se rétrécit, au contraire, elle ne s'élargit pas. Donc, on a des personnes qui s'enfoncent encore plus et qui savent qu'il n'y a pas de secours de sortie possible à cette situation ou à cette relation. Parce qu'ils ont déjà mis un terme final à ça, même s'ils sont encore là. Surtout vous. Mais comme je dis, les énergies sont interchangeables. Même si vous êtes encore là, c'est pour des raisons qui vous incombent. Donc vraiment, ça peut être professionnel, ça peut être vraiment de que diront les gens, ou ça peut être matériel, ou ça peut être la peur. Mais je ressens ici des personnes qui sont en attente de quelque chose. Soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez quelque chose, soit vous attendez une occasion pour sortir de cette vie de couple qui ne vous convient plus. Donc vraiment, ce qu'il faut pour vous. Pour rétablir quoi que ce soit ici, on a un des deux qui n'est pas pour la réconciliation. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et pour vous qui avez choisi cette magnifique feuille d'automne. On a des personnes ici qui ont relevé haut la main toutes les épreuves que l'on a mis sur leur chemin, que ça a été de l'entourage, l'entourage, soit même le manque de confiance ou tous ceux qui ont misé que votre relation ne réussirait pas, vous les avez bien mis, vous les avez fermé la bouche. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Parce qu'on voit avec... Et il y a une possibilité ici qu'on ait affaire à... Soit c'est vous, en tout cas, on va commencer d'abord comme il faut. Bien, nous allons commencer. Comment vous voyez votre partenaire? Vous voyez votre partenaire comme quelqu'un de serein, comme votre guide, comme un amoureux qui pourrait vous... Un amoureux, une amoureuse qui pourrait être pour vous comme un salut, l'espoir enfin renaît. Donc, comme cette personne qui est venue vous sortir dans une situation où vous n'étiez plus à votre place. Donc, il y a une possibilité ici que c'est quoi? C'est comme si c'est quelqu'un qui est venu vous sauver ou c'est quelqu'un qui est venu vous montrer qu'il y a autre chose de plus belle. Vous voyez qu'il y a autre chose plus belle que ce que tu es en train de vivre ou que ce que tu as vécu, ou vraiment quelqu'un que vous n'attendiez plus, ou une relation que vous n'attendez plus, ou alors vous ignorez même que ça existait, des personnes qui pouvaient vous aimer comme ça, ou quelqu'un qui pouvait vous apporter autre chose à ce point. Parce qu'on ne voit pas, dans votre relation ici, je ne vois pas l'amour, mais il y a un certain respect vis-à-vis de la personne, et cette personne vous apporte un certain équilibre, une structure carrée. Peut-être on a fait ici à des personnes qui ne connaissaient pas ce que c'est qu'une structure familiale harmonieuse et équilibrée, et que cette personne vous offre quelque chose comme ça. Peut-être vous avez toujours été dans les familles, soit dans les familles d'accueil ou malmenée d'une famille à l'autre. Ça peut même pas forcément être d'une famille d'accueil. Ça peut être votre propre famille ou alors les familles recomposées. Vous n'avez pas trouvé votre place, ou tout simplement même avec vos parents, vous n'étiez pas à votre place et vous n'avez jamais pu construire quelque chose de stable. C'est comme si avec cette personne,
elle venait vous montrer autre chose. Elle venait vous apporter une certaine sérénité que vous n'aviez jamais eue dans une vie de couple. Vous voyez quelque chose que vous n'avez pas su voir ou vous n'avez pas pu saisir. Parce qu'ils sont en affaire des personnes qui ont défié toutes les statistiques sous votre point de vue, qui vous apportent, ça peut être même pour vous comme un enseignant ou comme vraiment un guide, quelqu'un qui vient. On a affaire ici à des personnes qui ont une certaine admiration pour leur partenaire. C'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Parce qu'il y a amour, il y a des personnes qui sont amoureux de leur partenaire et qui admirent leur partenaire. Il y a d'autres personnes qui sont juste amoureux mais qui n'admirent pas leur partenaire que quand ils regardent à la télé ou qu'ils regardent un documentaire, ils trouvent toujours que l'animateur tel ou l'animatrice telle ou la star telle a toujours un certain charme. Alors qu'on a fait ici dans ce cas, on a fait ici à quelqu'un qui... Pour vous, c'est votre, vous la voyez comme votre idéal. Vous êtes fan de cette personne. Comme quelqu'un peut être fan d'un artiste ou d'une artiste ou je ne sais pas. Donc vraiment, vous la voyez comme ça. Comme une sorte de sauveur, comme quelqu'un qui est venu vous sortir d'une certaine misère ou quelqu'un qui vous apporte un certain espoir, un confort de vie. Hein. Ce n'est pas forcément même confort de vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être que vous vivez dans deux pièces, mais avec cette personne, c'est autre chose que vous n'avez pas connu. Au fait, c'est différent. C'est différent ici. Cette personne vous apporte autre chose qui va de l'ordre de l'espoir, de la sérénité, d'encore plus haut que ce que vous avez imaginé. Ça peut même être que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un de très spirituel ou enfin vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous ressemble ou qui partage les mêmes idées que vous au niveau de la science. Ça peut être science, spirituelle, spiritualité, culture, culturelle aussi, ou quelqu'un de la même culture que vous, ou que vous avez tout simplement les mêmes idées. Vous voyez, vous la voyez vraiment comme ça, votre partenaire. Et comment votre partenaire vous voit-il? Votre partenaire vous voit comme quelqu'un qui a été abîmé, qui mérite que l'on... qui a été abîmé. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit ici, vous avez été abîmé par quelqu'un ou alors vous n'avez jamais trouvé votre place, mais votre partenaire vous voit comme ça, comme quelqu'un, comme s'il y avait du potentiel en vous. Peut-être ici, vous avez un gros manque de conscience, un gros manque de confiance en vous. Vous avez peut-être dû subir beaucoup de réprimandes, beaucoup de désagréments, Vous n'avez jamais trouvé votre place, au fait. Vous n'avez jamais trouvé votre place. Peut-être ça va même encore plus loin que ça. Parce qu'il y a des personnes ici que je ressens, ça va plus loin que ça. Vous avez été un peu comme rabaissé, humilié. Vous n'avez jamais su que vous pouviez trouver quelqu'un comme ça ou que vous pouvez avoir cette chance-là où on vous a fait comprendre que vous ne pouviez pas ou que vous ne valez pas la peine ou que vous êtes toujours trouvé moindre par rapport à d'autres personnes. Que ce soit homme ou femme. Mais aujourd'hui, cette personne vous fait... On a fait ici aussi à quelqu'un qui vous rassure continuellement, qui vous fait comprendre que tu es belle, tu es beau, tu es ma reine, tu es mon roi, je vais faire de toi quelqu'un d'autre, tu peux être quelqu'un d'autre, arrête ton passé ne représente pas qui tu es, ton passé ne peut pas toujours avoir l'impact sur la personne que tu as envie de devenir ou sur la personne que tu es aujourd'hui. Vous voyez, dans le sens ici, quelqu'un qui vous soutient, même si vous avez du mal ici à accepter que cette personne puisse être vraie, parce que vous avez quelquefois l'impression d'être dans un rêve, de rêver, mais vous voyez, cette personne, elle fait vraiment tout pour vous rassurer et pour vous faire comprendre que vous êtes belle, que vous avez la valeur et que vous avez, qu'il y a autre chose dans la vie que ce que vous avez vécu, que tout le monde n'est pas comme ça. Soit ici vous avez vécu, soit dans votre passé, il y a une grosse blessure de votre passé, ou alors c'est dans une vie, dans une relation que vous avez vécu et que vous avez été traumatisé. C'est quelque chose de traumatisant ici parce que vous avez du mal, vous avez toujours continuellement besoin d'être rassuré par cette personne. Vous voyez? Et comment vous voyez votre relation? Vous voyez votre relation comme quelque chose que vous n'attendiez plus. Vous n'attendiez plus cette relation, vous ne l'attendiez pas. C'est quelque chose qui est arrivé, vous n'étiez même pas sûr que vous méritiez ça. Il y a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui dit, mais c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est ça, la personne dit, c'est trop beau pour être vrai. Les choses sont arrivées comme ça, là, c'est comme si c'était le rendez-vous de la vie, du jour comme ça, un jour, vous êtes tombé sur la bonne personne, la bonne personne, et c'était elle. Elle est arrivée juste quand vous étiez là, quand vous avez eu le plus besoin d'elle, elle est arrivée dans votre vie. C'était vraiment l'heure, c'est comme si c'était écrit, c'était là, je sais pas, j'ai pas d'autre mot que de dire ça, c'était là, quoi.
On n'a pas, je ne peux pas dire plus que ça. C'était écrit, c'était mis. Même si tu ne t'attendais pas à ça, même si tu n'imaginais pas pouvoir vivre un truc comme ça, c'était clairement, c'était déjà, c'était là depuis longtemps. Parce qu'on voit ici, on voit ici, tu as beaucoup de mal aussi à t'adapter dans cette situation. Tu as beaucoup de mal parce que tu t'es dit justement, c'est trop beau pour être vrai. Et comment votre partenaire vous voit votre relation? Ton partenaire, lui ici, voit votre relation comme une relation où il faudra continuellement un peu s'adapter et continuellement peut-être aussi vous rassurer. Et qu'il faudra aussi aller avec, peut-être nuancer la façon de faire avec vous pour pouvoir remettre à jour vos émotions et vos sentiments et même votre vie intime. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un que. Soit peut même être, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui a dû se passer, qui vous a beaucoup affecté dans votre partenaire. Il sait, ça peut être une maladie, ça peut être les contraintes, ça peut être la famille, ça peut être un ancien partenaire. Mais votre partenaire aujourd'hui, la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, sait que pour vous, pour aller avec vous, il va falloir prendre du temps. Il va falloir faire des choses de façon nuancée. Même en ce qui concerne votre vie intime, on ne peut pas faire comme n'importe qui ici avec vous. Vous voyez? Donc ici, même avec votre foyer, il va falloir trouver. Il va pas, il faut pas faire des choses. Il faut verbaliser ce que l'on a envie de faire. On a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui sursautent continuellement, qui ont peur. Si on ne vous dit pas ce que l'on a envie de faire, vous avez peur. Vous avez peur de. Vous avez peur ici. Soit vous avez. Vous avez peur en tout cas. Donc elle, au fait, la personne, votre partenaire, comment elle vous voit ici, c'est vraiment. Elle sait qu'il va falloir vous rassurer aujourd'hui. Et vous savez, elle sait que vous n'allez jamais la trahir. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Quoi qu'il arrive ici, elle sait que c'est. Vous êtes pour elle sa chance. Vous êtes pour elle la chance de sa vie. Vous êtes, même si vous êtes. Même si vous avez certaines. Elle a un peu du mal à souvent à cerner, mais elle s'adapte aussi. Elle s'adapte, vous voyez? Elle s'adapte ici. Pour vous, il n'y a pas, elle ne vous voit pas comme quelqu'un qui va convoiter les choses qui ne sont pas à elle. Il y a des. Il y a vraiment les chances, les chances au niveau de votre succès pour que les choses puissent marcher. Mais ça va, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir faire à deux. C'est quelque chose que ça ne va pas, ça va pas l'un sans l'autre. Vous voyez? Ça va vraiment pas l'un sans l'autre. Vous allez devoir le faire à deux. Parce que si elle fait les efforts et que toi, de ton côté, tu n'en fais pas, ça va être un peu. Ça va pas seulement un peu. Ça va être vraiment compliqué. Si toi, de ton côté, tu ne fais pas des efforts pour l'aider pour l'aider à comprendre ce que tu vis ou ce que tu veux faire. Si c'est toi qui regardes la vidéo, n'hésite surtout pas à verbaliser parce qu'elle fait. Toi-même, tu sais qu'elle fait de son mieux pour te rassurer dans ce que tu as vécu, dans ce que tu vis. Et si c'est toi qui regardes la vidéo, que c'est toi qui rassures tout le temps cette personne, dis-lui ce que tu ressens et surtout dis-lui qu'elle ne devrait pas avoir peur de te parler ou de te dire comment elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de toi. Et surtout même, tu le dis même à cette personne, elle ne pourra même pas te répondre parce qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle attend. Elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut, elle veut plus vivre ce qu'elle a vécu et qu'elle ne veut plus qu'on la traite comme elle a été traitée depuis toujours. Et que ce que tu es en train de vivre avec elle, c'est tellement beau que elle-même, elle, à part dire c'est fou, c'est trop beau pour être vrai, et aussi chercher, parce qu'elle aussi, elle apprend, elle est en apprentissage, c'est un peu comme si c'est toi son maître ici, qui lui apprend à faire confiance à l'amour, à la vie, ou tout ça. Et tout ça, hein, c'est un peu. Et maintenant, ce qu'il faut améliorer ensemble pour que la communication se rétablisse, ou alors pour que votre relation puisse être. Pour que tous les deux, vous puissiez trouver votre place. Vous voyez, on a la tour ici. La tour qui représente aussi, qui peut représenter une institution, ou qui peut représenter une ville, ou qui peut représenter aussi comme une tour dorée. Hein? Vous voyez, donc ici, on dit aussi, il faut faire aussi les choses de façon formelle avec cette personne, parce que ça, si c'est l'administration, c'est quelque chose de formel, c'est l'institution, c'est aussi l'élévation, ça peut nous parler aussi de. Comment je vais dire ça? Oui, d'une relation formelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être
comment on dit formaliser. Ou peut-être ce qu'il faut faire ici avec cette personne pour améliorer, c'est peut-être que vous passiez, je ne sais pas, soit ça peut aussi représenter un tribunal, hein. Peut-être que vous allez peut-être voir, ça peut aussi représenter un lieu médical, ou aller consulter, ou aller même au tribunal, ou alors dénoncer ce qu'elle a vécu, ou pour que justice soit faite, ou tout simplement que vous prenez le temps, que vous ayez des projets encore plus ambitieux, que vous passez une... Quand vous passez une étape aussi et que vous allez peut-être vous voyez plus grand, c'est aussi ça. Vous voyez plus grand, aller peut-être vers autre chose, vers certaines découvertes, vers certaines aspirations. Et même, je ressens ici pour les personnes, aller peut-être vers un niveau élevé, mais pour vous ici, je ressens comme si il y a aussi quelque chose à voir avec la justice. Ou alors il faudra que justice soit faite pour qu'elle tourne cette personne tourne la page, ou c'est vous devez l'accompagner. Peut-être vous allez devoir l'accompagner ou alors vous devez l'encourager à porter plainte. On va regarder. Ah oui, ça rejoint ça, la justice. Peut-être vous allez devoir l'accompagner ici. Ah, la séparation. La séparation. Ah ouais, je comprends maintenant. Donc ici, c'est certainement vous êtes en train de vous vivez, vous êtes en train de courtiser. Une femme ou un homme qui est encore en couple et qui s'est fait malmener et qui doit... Il y a aussi la séparation. Donc, il faudra penser à aller au tribunal, se séparer pour que les choses puissent avancer entre vous. Parce que si cette personne ne se sépare pas, il n'y aura jamais d'avancée entre vous et cette personne. C'est clairement ce que l'on vous dit. Donc, c'est vraiment ça. Il va falloir en parler. Aller au tribunal, une séparation pour pouvoir avancer dans la relation. Bien. Je remets ces cartes dans le jeu, ça va aider tout à l'heure pour les troisièmes et la dernière proposition. J'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi le cœur. Et n'hésitez pas à laisser les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous avons déjà au début de votre jeu le consultant. Bon, le consultant ici, comment vous voyez votre partenaire? Votre partenaire, comment vous le voyez? Toi ici, le consultant, comment vous voyez votre partenaire? Tu le vois comme toi, ton partenaire. Soit vous êtes du même genre ici, soit vous êtes du même genre. Donc, ça veut dire que votre orientation sexuelle, ça peut être que vous êtes tous les deux orientés vers les mêmes pratiques sexuelles aussi. Hein. Ça peut être aussi que vous êtes homosexuel aussi. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un, comment vous la voyez? Vous la voyez peut-être juste comme quelqu'un qui est comme vous. Vous vous complétez, vous êtes tout simplement pareil, du pareil au même avec cette personne. Et comment votre partenaire vous voit ici? Votre partenaire, il vous voit comme quelqu'un qui est lent. Vous voyez, vous êtes lent, vous prenez trop votre temps. Comment on dit encore ça, les gens qui remettent tout à demain? Vous procrastinez. Vous voyez, votre partenaire, vraiment, elle vous voit comme ça parce que... Avec les bâtons qui sont à l'envers, qui sont la victoire et le courage aussi, et aussi la rapidité. On peut avoir aussi à quelqu'un qui vous trouve que vous êtes tout simplement nonchalant, que vous n'êtes pas courageux du tout, et que vous prenez votre temps pour faire des choses, et que vous êtes... On peut avoir aussi à des personnes très pessimistes aussi, hein, qui ont toujours quelque chose à redire, ou qui trouvent toujours que ce n'est pas assez bien, si, comme ça. Donc, en fait, elle vous trouve comme ça, comme quelqu'un aussi d'éparpillé, vous ne savez pas, vous êtes un peu dispersé, et pas, vous ne savez pas faire une chose, terminer et commencer l'autre. Vraiment, comment votre partenaire vous voit comme ça, hein? Vous êtes un peu partout et un peu nulle part à la fois. Et vous manquez peut-être de détermination, de courage, ou alors tout simplement, vous ne finissez pas un projet avant d'entamer un autre. Donc, je pense votre partenaire, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et comment vous voyez votre relation? Votre relation, c'est quelque chose de... Vous voyez votre relation, vous deux, il y a deux possibilités. Vous voyez votre relation à deux comme une relation naissante, comme quelque chose de nouveau, ou tout simplement une relation... où on ne se prend pas la tête, une relation où on se redécouvre continuellement, ou une relation où on apprend des choses aussi, où on apprend des choses, où avec la naissance aussi, on peut avoir l'éclosion, le commencement. Donc, ça peut être votre relation, ça peut être le début. Hein. Comment votre partenaire voit votre relation. Peut-être on a des sentiments naissants aussi. Votre partenaire, peut-être il commence à avoir toutes ces petites manières que vous avez qui semblent quelquefois agaçants et déconcertants aussi. C'est des petites choses comme ça qui font que cette personne, elle est en train de commencer à s'attacher à vous. Donc,
Ça peut être aussi que votre partenaire commence à y avoir des vrais sentiments ici. Même si au départ, il y avait des sentiments, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi avec quelqu'un. Votre partenaire vous voit comme quelqu'un avec laquelle, une personne avec laquelle elle peut construire des projets, avec laquelle elle peut découvrir aussi. Vous voyez, ici, on peut parler aussi du bonheur et de joie. Donc, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui lui procurait tous ces sentiments-là. Et on peut avoir ici affaire à des lions. Donc, pour cette personne, vous êtes quelqu'un de solaire aussi. Et vous n'avez pas peur de prendre des risques comme ces oiseaux, de vous envoler un peu vers autre chose. Vous n'avez pas peur de d'éclore. Vous n'avez pas peur de partir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle trouve aussi que vous pouvez aussi être pour elle, dans son point de vue, vous êtes partout et nulle part à la fois, même si... Quelquefois, elle trouve que vous manquez de courage parce que quand vous ne terminez pas quelque chose, pour d'autres personnes, ça peut sembler que vous n'êtes pas courageux ou que vous avez peur de l'échec. C'est peut-être pour ça que vous commencez un projet, vous ne la terminez jamais parce que le résultat semble vous faire peur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment comme ça comme votre partenaire vous voit. Et comment vous voyez votre partenaire? Vous voyez votre partenaire ici comme un soutien non négligeable. Donc, contrairement à vous, ici, on a quelqu'un de posé. Contrairement à vous qui êtes dispersé partout, on a quelqu'un de posé ici. Et vous, comment vous voyez votre relation avec cette personne? Vous voyez votre relation avec elle comme quelqu'un qui pourra vous apporter autre chose, qui pourra vous appuyer dans vos projets ou tout simplement qui pourra vous recadrer quand vous perdez pied ou tout simplement vous faire intégrer un certain groupe. Ça peut être un groupe social ou vous aider même à devenir quelqu'un de grand aussi et même prendre le quelqu'un et même avoir certaines opportunités ou avoir vous voyez vraiment comme quelqu'un qui pourra vous apporter tout ça dans votre relation de couple. Donc vraiment c'est comme ça que vous voyez votre partenaire. Votre partenaire comme ça qui voit votre relation. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je sais pas. Dans ma tête, ça s'est embrouillé. Je ne sais même plus où j'en suis. Nous m'en parlait de relations de couple. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein? Donc ici, on vous dit, ici, votre partenaire, comment vous voyez votre relation de couple. Ou c'est votre partenaire, comment il voit votre relation de couple. Parce que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est une relation qui pourra apporter beaucoup de joie aussi et beaucoup de fierté. Quelque chose qui pourrait être productif pour vous. Une certaine puissance aussi, une certaine valeur. Aussi d'une protection dans quelqu'un. C'est vraiment comme ça qu'elle voit votre relation de couple ici, cette personne. Et on peut avoir affaire à des sagittaires. Et n'oubliez pas, je tiens encore à le préciser, les énergies sont interchangeables. Bon, c'est la fin de votre jeu qui va être compliqué. Comment, ce qu'il faut pour améliorer ensemble la communication ou pour la rétablir ou tout simplement pour que chacun puisse trouver sa place dans cette relation de couple, c'est qu'il faut faire moins de jalousie, moins de possession. Parce qu'on a un des deux ici qui est très, très, très jaloux. Je pense que ça peut être votre partenaire qui est très jaloux, très possessif et aussi... Surtout si on a affaire ici à quelqu'un qui est dans un certain milieu, il peut y avoir aussi de la rivalité dans l'air aussi. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de difficultés ou aussi des tentations. Ou quelqu'un qui est quelqu'un, ça peut être, on peut avoir ici à quelqu'un de très très beau aussi, quelqu'un de très, de une belle personne, beau parleur aussi. Ça peut avoir quelqu'un qui a un certain charme fatal. Ce qui fait que c'est... L'autre partenaire a un peu du mal. Donc, peut-être aussi cette personne joue de cette séduction-là pour rendre encore l'autre personne jalouse ou pour la rendre mal en lui faisant comprendre clairement ou même en sa présence qu'il y a de la rivalité dans l'air, hein, qu'il y a d'autres personnes, qu'il suffit de claquer les doigts pour que tout le monde lui tombe dans les bras. Vous voyez, donc, il y a aussi une domination, ça peut aussi être un harcèlement, ça peut être aussi quelqu'un qui étouffe. Vous voyez, ça peut aussi être la manipulation, l'hypocrisie, l'imprévisibilité. Donc, ce n'est pas forcément dans le bon sens tout ça. Donc, ça peut, on peut avoir quelqu'un, on va recouvrir une fois pour voir à quel genre de personnage on a affaire ici. Ben oui, on a affaire à quelqu'un qui a le choix. Hein? On a affaire à quelqu'un qui a le choix. Ben oui.
Quelqu'un qui a le choix, ça peut être qu'on a affaire à quelqu'un qui travaille dans un monde de spectacle, de médias aussi ou de publicité, mais quelqu'un qui a le choix, qui peut avoir le choix, on peut faire aussi avoir à quelqu'un qui peut-être qui travaille dans la publicité et qui sait qu'il y a de multiples choix et qui ne se gêne pas de vous le faire comprendre ou qui ne se gêne pas de le faire aussi. On peut avoir quelqu'un qui se sert de son champ pour obtenir ce qu'il veut, mais du moment que lui, il obtient ce qu'il veut, donc on a aussi au niveau de la communication, même peut-être dans sa façon de communiquer, ça ne vous plaît pas, ça ne vous arrange pas. Donc ici, pour vraiment améliorer les choses, pour améliorer votre façon de faire, il va peut-être falloir, soit c'est peut-être vous, peut-être l'autre personne, tout simplement lui dire que ça ne vous convient pas, tout simplement lui communiquer ce que vous avez envie de faire, parler avec elle pour pouvoir trouver une certaine harmonie, ou alors pour certaines personnes, vous trouvez peut-être que vous n'êtes pas à son niveau, ou que c'est le fait d'être dans un de différents rangs sociaux fait que vous vous sentez moindre. Pourquoi ne pas faire peut-être retourner à l'école ou faire une formation pour avoir un autre standing plus haut, pourquoi pas, pour être peut-être à son même niveau, peut-être pour fréquenter les mêmes milieux qu'elle, si c'est ça qui vous gêne aujourd'hui. Ça peut être que c'est ça qui vous gêne, que vous dites on fait pas partie de la même société, on fait pas partie du même monde. Peut-être vous avez ici affaire, comme je dis, si quelqu'un qui fait de la publicité, qui est dans le monde de l'audiovisuel, et que vous êtes peut-être dans le monde, je ne sais pas moi, comment je vais dire ça? Donc, carrément dans un monde opposé, et que vous savez que vous avez les facultés, les possibilités aussi d'avoir un autre truc, surtout si ça vous plaît, parce que vous n'allez pas non plus vous perdre qui vous aide votre personnalité pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, surtout si elle ne connaît pas votre valeur. Donc, vous dites, si vous avez les possibilités de discuter avec elle, ou tout simplement de vous intéresser à son monde, ou d'aller y travailler, ou tout simplement d'y faire des concours ou des examens, mais la communication pour vous est très importante pour pouvoir trouver une harmonie, ou pour pouvoir dire à cette personne, tu n'as pas besoin de faire autant de jeux, moi je suis là, je t'aime. Et même si elle fait des jeux comme ça, qu'elle ne le fasse pas à votre présence, et surtout qu'elle ne franchisse pas la limite. C'est ça qui pourra vous, c'est ça pour ça, c'est dans ce contexte là que vous pourriez trouver, vous pourriez améliorer ensemble la communication dans votre couple, ou du moins la rétablir, ou alors moins discuter. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.